Ce lundi 6 février, Laurie Del Hostal a donné ses nouvelles de son cancer dans un post Instagram. La journaliste sportive en a profité pour rassurer ses nombreux abonnés sur son état de santé. Elle se bat contre la maladie. Le 28 novembre dernier, la journaliste sportive, Laurie Del Hostal a annoncé être atteinte d'un cancer. La jeune femme de 42 ans, qui officiait sur Prime Video, a été contrainte de mettre fin à ses activités télévisuelles au plus vite. J'ai arrêté la télé de suite. Plus trop envie de rire dedans. Peur que mes cheveux tombent d'un coup pendant une pub, avait-elle indiqué dans un post Instagram en novembre dernier. Je n'étais pas vraiment beaucoup plus malade ce lundi 6 février, Laurie Del Hostal a donné des nouvelles de son cancer dans un post Instagram. Elle a profité pour rassurer ses nombreux abonnés sur son état de santé, la semaine qui vient de s'achever, je suis allé aussi loin que l'on puisse aller avec des traitements qui reviennent inlassablement, en Chine, fêter le nouvel an, mais ça tombe bien c'était à 10 minutes à pied de chez moi. Je suis allé aussi loin également que mon mental ne pouvait le supporter. J'ai découvert la fièvre sous chimio et je me suis retrouvé claqué, capote, sous le flanc, rétamé. À l'entamé de la troisième nuit, j'ai dit sobrement, j'ai envie de crever. De profondes analyses plus tard, le verdict tombait, j'avais pris froid. Et d'ajouter, bref, je n'étais pas vraiment beaucoup plus malade. Cette semaine pas de voyage exotique ni de vélo sans bonnet, je me contenterai gentiment du combo classique chimio, grève, boulot. Les journalistes sportives soutiennent Laurie Del Hostal dès l'annonce de son cancer, Laurie Del Hostal a hérité du soutien de beaucoup de ses consoeurs journalistes sportives, notamment France Pierron, Alicia Dobby, Anne-Laure Bonnet, Vanessa Lemoigne, Marion Grosjean et Charlotte Namoura. J'espère que tu vas bien, on est tous avec toi, je pense très fort Laurie. Plein de courage, ma gossure. Tu sais déjà, tacle les deux pieds décollés sur cette saloperie, mettre un cœur sur ton poste me paraît indécent. Et pourtant, c'est tout ce que j'ai envie de t'envoyer en ce moment. Toute mon affection, et toute ma force. Ton message est à la hauteur de ta bravoure. Je suis avec toi, fort fort fort, ont-elles écrit. Views is post ton Instagram à post shared by Laurie Del Hostal @Laurie. Del Hostal, à lire aussi Laurie Del Hostal, dans un message après l'annonce de son cancer, elle évoque avec humour les choses importantes.